Aujourd'hui, vidéo assez spéciale. Ça fait quand même un petit moment que cette idée-là trotte dans ma tête. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer ma réaction à mes anciennes vidéos parce que vous savez, ou peut-être que vous savez pas, ça fait quelques moments déjà que j'ai ma chaîne. Ça fait vraiment longtemps, là, je pense que je l'ai commencé quand j'étais au cégep, puis là j'ai terminé l'université. Donc ça fait vraiment longtemps, mais ça fait peut-être 2 ans que je fais ça assez sérieusement, puis assez régulièrement avec un bon logiciel de montage puis tout ça, puis que c'est vraiment sérieux ce que je fais. Avant, c'était des vidéos ici et là, puis j'avais pas un bon éclairage, mon montage était poche, en tout cas, bref. Fait que j'ai eu envie ce matin de revisionner des anciennes, très très anciennes vidéos, puis je me suis dit pourquoi pas me filmer pour montrer aux gens ma réaction à ça. Donc vous allez voir, là, je vais vous mettre comme en gros la vidéo que je vous montre. En plus, vous allez voir, c'est même pas en HD probablement. Puis dans le coin en bas ici, ça va être moi en train de réagir à ces vidéos-là. Donc j'espère que je vais vous faire rire, puis j'espère que vous allez constater l'énorme évolution que j'ai pu faire dans le monde de YouTube. Donc sans plus tarder, allons-y! Allô! Aujourd'hui, je vais vous faire ma... Voyons, pourquoi j'ai dit normalement mon review de... On s'entend que, tu sais, j'avais pas comme le décor idéal non plus pour filmer. Parce que tout le monde le faisait. Je pense que j'étais comme dans ma... Ouais, je filmais dans la salle de bain, puis je mettais la caméra... dans la pharmacie, donc parce que j'avais pas de trépied. Pour savoir si les produits valent la peine, etc. Fait que je me suis dit que... Puis je pensais trop mon temps à me regarder dans le miroir, c'était malaisant, là. Puis les gens me le disaient, là. J'étais vraiment pas... C'était vraiment pas le meilleur endroit, là. C'est moi où j'ai juste comme zéro l'air convaincu de ce que je veux vous expliquer, genre j'ai... Faire une commande comme juste de pinceaux. Parce que, ben, ils sont vraiment cool puis ils sont pas chers. Ok, pinceaux. Ensuite, j'ai... Je sais que Alex, elle avait dit de pas commander ça parce que ça allait pas bien, mais j'en ai commandé un quand même, un concealer. C'est sûr qu'il peut dépanner, mais genre moi j'en ai un là, puis non pas, c'est un concealer, ouais. Tu sais, j'étais pas la meilleure en montage non plus là, fait qu'on dirait que je fais comme tout one shot puis que je veux comme rien couper, mais mes transitions entre mes items sont pas super bonnes. Sérieux, j'ai l'air zéro de bonne humeur là, comme... Ensuite, un bronzer. Ben, je sais que c'est pas fou de recommander de faire ça, de commander des trucs comme pour la peau. Je suis vraiment malaisée là en ce moment. Je sais même pas si ça se dit malaisée, mais... Tu sais, dans le fond, moi j'ai un peu commandé n'importe quoi, mais je me suis dit au pire c'est un bronzer. Tu sais, je souris pas, j'ai comme aucun entrain, là, tu sais, dans ce temps-là, filme pas. Genre, si t'as pas le goût, c'était parce qu'il filme pas. Salut! Donc aujourd'hui, suite à la demande de Joannie de Joanne TV, et en fait, les filles ont fait une vidéo sur leur produit pour le visage. Puis je vais laisser un commentaire. Je sais pas vraiment genre ce que c'est l'espèce de cadre noir autour de la vidéo. Mais je crois que je filmais avec que je montais avec Windows Movie Maker, mais quelle erreur! Je vais me parler des bons trous. Donc, je vais en premier avec mon démaquillant. En ce moment, celui que j'ai, c'est de Nivea. Démaquillant Express. Il est en deux phases. Je sais pas si vous allez bien pouvoir voir. Il est comme un bleu puis un comme transparent. Donc ouais, donc en ce moment c'est celui qu'on a. Ok, premièrement genre le code noir. Deuxièmement, le montage avec Windows Movie Maker. Je sais qu'on a tous fait ça dans nos débuts, mais seigneur, il y a tellement plein de choses disponibles qui sont meilleures que ça. Le cadrage est pas si mal, mais je me trouve loin de la caméra. D'autant plus qu'on est dehors. Puis que la voix porte pas tant que ça parce qu'il y a plein de bruit ambiant. Premièrement, ce que j'ai, c'est un nettoyant gomme en doux. Comme ce qu'il a l'air de ça. Là, on voit rien, genre j'essaie de vous montrer des choses, on voit rien. Je suis trop loin de la caméra pour pouvoir vous montrer les choses. Comme je pensais pas dans ce temps-là de prendre d'autres séquences après la vidéo pour comme montrer une prise de vue plus proche des produits. Je pouvais pas faire ça avec Windows Movie Maker. Fait que, tu sais, there's so much you can do avec ce logiciel de montage là, fait que c'est sûr que tu peux pas faire des miracles, mais on s'entend que je m'aidais pas non plus. Bonjour! Aujourd'hui, pour mon retour sur YouTube, j'ai décidé de commencer à faire mes vidéos de Noël, hein? Parce que Noël, c'est mon temps préféré pour faire des vidéos. Ça me motive! J'aime ça, les sujets, puis je vais en faire plein, j'ai plein d'idées. Je suis cadré ben trop grand, genre. C'est pas nécessaire qu'on voit autant de choses sur les côtés de moi, puis on de ma tête. Première question. Favorite winter nail polish, donc mon vernis à ongles préféré de
de l'hiver. Tu sais, je suis comme pas à l'aise avec mon corps, genre qu'est-ce que je fais? Genre je passe mon temps à bouger, puis comme à me jouer dans les cheveux, puis comme... J'ai genre une gestuelle vraiment forte, là, je le sais que quand je parle, j'ai besoin de comme bouger. Puis ça, c'est sûrement la prof en moi qui fait ça, là. Mais là, c'est comme intense, là. C'est OMB. Puis on voit que, tu sais, je suis pas encore à l'aise avec comme ma diction, puis tu sais, comment je parle. Puis ça, c'est en 2012, là, puis on est début 2015, fait que ça fait comme 2 ans. Voyez-vous à quel point, parce que, je sais pas vous si vous voyez ça, mais à quel point je suis plus à l'aise devant la caméra. C'est zéro subtil comment, genre, je regarde les questions sur mon ordinateur. Puis, je pense, si je me trompe pas, je pense que Simon était dans la pièce à ce moment-là parce que j'ai l'impression que je suis tout le temps tournée pour le regarder ou pour regarder mes questions. Fait que j'ai pas besoin d'un traitement spécial pour mes lèvres. Mais je pense qu'il était là parce que des fois, quand je me trompe ou je dis des choses drôles, il rit et ça me fait rire. Comme je porte pas ça, tout que j'arrive. Troisième question. Mon morceau de vêtement que je porte le plus en hiver. Tu sais déjà que les tags, c'est comme pas redondant, mais tu sais, il y a plein de personnes qui le font, pis tu sais, c'est pas... Ça demande pas un montage fou, on s'entend, là, mais tu sais, il y a moyen de rendre ça quand même intéressant puis beau visuellement, ou tu sais, il y a moyen de faire... Tu sais, pis ça, c'est laid, là, c'est juste... C'est juste laid, puis on dirait que je m'entêtais tellement à filmer, même si j'avais pas l'éclairage pour, puis on voit clairement qu'il est 9h20, pis c'est clairement le mois de décembre, fait qu'il fait vraiment noir, puis la lumière dans ma chambre... En fait, il y a aucune lumière qui est avantageuse pour les vidéos, je crois, le soir. Autre que les lumières pour filmer, là. J'espère que vous allez participer aussi parce que ce qu'elle donne, c'est vraiment hot. Encore une fois, on remarque la belle petite bande noire autour de mes vidéos. On comprend facilement que j'avais pas encore trouvé de logiciel de montage. J'ai tellement rien de maquillage, dans le fond. Je trouve tellement que mes cheveux sont affreux dans cette vidéo-là. Je sais pas pourquoi je trouve ça laid. En fait, c'est Alex qui me l'a fait découvrir en plus parce que j'essaie... Encore une fois, ça focus pas, donc ça sert... C'est comme des tics qu'on a de vouloir faire comme les autres youtubeurs qu'on voit, mais comme je pensais pas... Ben, je peux pas croire que je pensais pas, là, je m'en rendais compte quand je faisais le montage, là, ça focus pas, ça sert à rien. Je suis quand même un petit peu plus à l'aise dans la manière dont je m'exprime, puis je commence à comme faire plus de vidéos à ce moment-là. De Sally Hansen. Mais ça reste que, moi, c'est vraiment ce qui me... pop aux yeux, là, c'est le fait que je faisais pas tant de montage, je veux dire, je coupe pas entre les séquences, je laisse des blancs, ben des blancs, des silences, si on peut dire. C'est difficile, on dirait, de faire la transition entre les choses que je veux présenter. Puis est-ce que vous remarquez comme mon décor? Comme au début, quand j'ai commencé à faire des vidéos, je m'assoyais par terre, puis tu sais, c'était comme mon lit, puis comme... Tu sais, mon mur, il est beau, mais je l'utilise pas. Tu sais, comme décor, comme il faut, tu on le voit à peine. Je suis assise à terre, zéro cadré avec le lit. Il y a un sac de linge à terre. Puis on voit que mon lit est comme embarrassé de plein de choses. Tu sais, c'est des petites choses auxquelles on pense pas nécessairement, mais c'est important là, quand même d'avoir un bon décor. Tu sais, je pense que j'avais décidé de vous présenter des outfits selon... des catégories, puis là je leur avais donné un nom, là, fait que là je pense que ça c'était le rouge classique. Puis, tu sais, à la place d'avoir quelqu'un pour m'aider à filmer ou quoi que ce soit, j'ai mis ma caméra sur mon trépied, puis j'y vais de haut en bas. Puis comme je focus pas tant sur les items, tu sais, il y a tout le temps comme mon bras dans l'écran, genre là, qui veut comme descendre la caméra. Sérieux, ew. Définitivement, là, je mettrais cette vidéo-là dans une de mes pires. Parce que, tu sais, aujourd'hui, j'accepterais juste pas ça sur ma chaîne, ce genre de vidéo-là. Puis, depuis 2015, je me suis comme donné le défi d'améliorer mon montage, puis tout ça. Puis, quand j'ai pas une bonne idée, ou quand j'ai pas de bonne humeur, ou quand, genre, je sais pas, je filme juste pas quand c'est pas le bon moment. Alors voilà, c'est ce qui complète la vidéo, là. Je vous ai montré juste 5 de mes vidéos qui sont quand même assez vieilles. Ben, les plus récentes que je vous ai montrées remontent à 2012. Puis c'est un petit peu après ça, là, que j'ai commencé à... Ben, en fait, quand j'ai changé de caméra, que j'ai commencé à avoir une certaine qualité de vidéo qui était meilleure que ce que je vous proposais avant. Puis je trouve que de se regarder comme ça fait réaliser tellement de choses...
Tu sais, des fois, je me trouve poche, des fois, je suis comme, oh, mes vidéos, tu sais, je suis pas super fière de ça. Tu sais, maintenant, j'essaye de me dire que j'ai vraiment évolué depuis, puis que, tu sais, je vous donne quand même un assez bon contenu, puis un assez bon montage, puis d'autant plus que cette année, j'essaie vraiment d'améliorer ça. Puis, je veux être fière de chacune des vidéos que je mets en ligne maintenant. Donc, ça nous fait réaliser des choses. Donc, si vous avez une chaîne, amis YouTubers, je vous invite à faire cet exercice-là, d'aller vous regarder autrefois. Puis, tu sais, nous, on pense pas d'aller sur vos chaînes pour aller fouiller dans vos vieilles vidéos. Mais, tu sais, si vous voulez faire une vidéo dans ce genre-là, pour nous montrer toute l'évolution, puis, tu sais, ça fait du bien de s'auto-critiquer des fois. Donc, j'espère que vous avez aimé ce concept-là. Si vous en voulez d'autres, parce que j'ai tellement des tonnes de vidéos sur ma chaîne, si vous en voulez d'autres, vous savez seulement à laisser un pouce en l'air. Puis, on se revoit très bientôt. Bye!